de Villeneuve à Lutry, en passant par Vevey, Montreux et Lavaux, la région fourmille d'artisans du goût et d'acteurs culturels passionnés. Le Montreux Riviera Gourmet Tour vous propose une carte à la fois gourmande et exploratrice de la destination. Aubryst est propriétaire de plusieurs vignobles emblématiques du pays vaudois, le château de Vinzelle à Vinzelle, le domaine de Hautecour à Mont-sur-Aul, le Clos du Rocher à Yvorne, mais également la Cure d'Atalance, non loin de nos caves, à Chardonne. Cure d'Atalance est un vignoble de 15 hectares d'un seul tenant. Bienvenue sur le domaine de la Cure d'Atalance, qui est sur les hauteurs de Vevey. C'est un domaine qui existe depuis 1536. Propriété d'Aubryst depuis 1896. C'est un véritable terroir à Chasselas, mais depuis une vingtaine d'années, on y cultive aussi quelques autres spécialités. Alors avant, les vignes étaient plantées dans le sens de la pente nord-sud. Maintenant, on les a toutes transformées en terrasses. Ça nous facilite beaucoup le travail et le passage des machines. Et surtout, avec ça, on peut laisser l'herbe et ça nous fait une magnifique biodiversité pour la production intégrée. Durant toute la période de l'hiver, on va faire le travail le plus important de notre année viticole, c'est-à-dire la taille. On va couper les anciens rameaux de l'année passée. Sur cette corne, on va laisser deux ou trois yeux, d'où les nouveaux rameaux vont pousser. Avec la taille, on peut déjà régulariser l'espace entre les cornes. Donc ça veut dire que les branches seront plus, et les raisins surtout, plus aérés. Et pourra favoriser aussi l'apprêt du soleil. Et surtout amener déjà une bonne qualité. Les grappes sont plus ensoleillées, on limite aussi la quantité de production, ce qui favorise une magnifique récolte et on espère un excellent vin dans la bouteille. Sur ce domaine, on cultive plusieurs cépages rouges. Vous allez retrouver du Gamay, du Galota, du Merlot et également un petit peu de Pinot Noir. Mais également dans les blancs, parce que c'est tout d'abord un terroir à blanc, on a du Viognier qui a été planté récemment, ainsi que du Chasselas qui a vraiment sa terre de prédilection en Lavaux, comme on le sait. Et ce terroir va lui apporter cette minéralité, ce fruité qui est tout à fait typique de la région. C'est vrai qu'on a l'habitude de déguster ces Chasselas plutôt jeunes. Or, on s'est aperçu depuis quelques années que ce sont des vins de garde, ce sont des vins qui ont une autre histoire à raconter avec les années. Et nous mettons de côté dans notre cave plus d'une dizaine de millésimes afin de pouvoir les présenter à notre clientèle dans la vinaria. Ces vieux millésimes ainsi que tous nos vins sont à découvrir dans notre vinothèque, la Vinaria à Vevey. Bienvenue à Blenay-Saint-Légier, plus précisément sur mon exploitation, où j'exploite 60 hectares de culture fourragère, 100 hectares d'alpage également sur la commune de Blenay-Saint-Légier, et j'élève 250 vaches allaitantes. La particularité de notre exploitation, c'est qu'en 2015, en collaboration avec la maison Souterviand, nous avons créé un label appelé Limousin-Saint-Légier qui est basé sur deux axes. Le premier, la détention, en mettant en avant le bien-être animal. On pâturant plus de 108 ans de jour dans leur état naturel, dans un magnifique alpage des Pléiades. Et la deuxième, sur le système de vente, nous mettons en avant les circuits courts en vendant notre viande exclusivement aux restaurateurs de la Riviera. En 2020, avec mon associé Blaise, on a créé le concept de la ferme 1806. C'est un lieu où vous pouvez venir manger sur l'exploitation, un lieu de partage où on organise 4 événements dans l'année autour des produits issus de notre exploitation au rythme des saisons. Le printemps à la ferme 1806, c'est le bouilli, c'est le pot-au-feu. En l'occurrence, un pot-au-feu royal avec 4 morceaux de pièces différentes du bœuf. Ce bœuf, la grande plus-value, c'est qu'il a été élevé sur le domaine de Mathieu. Ensuite, il a été transporté à Clarens, il a été abattu à Clarens, puis transformé
chez Souter Viande à Villeneuve pour revenir sur la ferme. De là, on l'a cuit, on l'a apprêté. Donc, du bœuf de la région, des artisans de la région, des convives et des invités de la région. Plus circuit court que ça, on ne peut pas. Vous voilà donc plongé au cœur de notre événement de printemps. Les prochaines rencontres, ça se passe au mois de juin avec Côte de Bœuf au Brasero. Ensuite, l'automne, nous aurons un nouveau concept qui va s'appeler les automnales à la ferme. Et bien évidemment, fin novembre, durant un mois, c'est la ferme de Noël avec la fondue de viande Limousine. Ça s'adresse à tout le monde, aux jeunes, aux anciens, aux entreprises, aux particuliers. Vous pouvez réserver directement sur notre site internet. Voilà, on a tout dit, on vous accueille volontiers. Et vive les produits du terroir, vive les vins vaudois. Bienvenue au fort de Chillon. On se trouve en face du château de Chillon. Je vous propose que vous me suiviez et on va découvrir cette forteresse 2000 m² à l'intérieur de la roche. Le fort de Chillon, donc une forteresse historique, construite en 1941, construite en 15 mois et qui a servi plus de 50 ans, toute la période de la guerre froide jusqu'en 1995. Fait partie du réduit national, plus de 22 000 forts construits durant cette période. Vous avez un film historique d'une dizaine de minutes sur toute la stratégie du réduit national. Également, ces cartes d'identité, des cartes d'identité de soldats qui ont vécu ici. C'est souvent des moments très émotionnels parce qu'on va retrouver un parent, un père qui a vécu ici, des très beaux moments d'échange. Aujourd'hui, c'est un musée immersif, interactif. Vous allez rentrer, vous allez vous plonger dans la vie des milliers de soldats qui sont succédés dans le fort. Vous allez découvrir leur lieu de vie, entre autres la cuisine. La cuisine, vous verrez la troupe des soldats qui préparent les rejetis, le cervelas. Ensuite, vous verrez l'infirmerie. L'infirmerie, vous pouvez même vous coucher sur les lits de l'infirmerie. Il y a un film. Vous pouvez tout essayer, tout expérimenter. Les cantonnements, évidemment, un espace plus exigu, le réfectoire, un lieu un peu plus convivial. Et puis également les parties militaires, le canon anti-char, la mitrailleuse, là, vous pouvez tout toucher, tout manipuler, vous pouvez viser. Si vous voulez vivre l'expérience complète du soldat, vous pouvez manger dans notre bistrot du soldat. Et là, vous mangerez dans des gamelles comme à l'époque, mais avec des spécialités locales, des spécialités revisitées, du rejeti, des cervelas, plein d'autres choses, des produits locaux. Et c'est un moment très convivial à faire en famille ou entre amis. Le musée, c'est aussi un endroit où on peut jouer. Et puis, on a la centrale téléphonique. Alors là, on peut communiquer avec ses amis qui sont peut-être à un autre endroit du fort. Il y a également de la réalité virtuelle, il y a des jeux interactifs, des quiz. Bref, un moment où tout le monde trouvera son compte. À l'issue de votre visite, on se retrouve sur notre terrasse panorama. Et là, vous bénéficiez d'une vue spectaculaire sur le château, sur le lac. C'est absolument magnifique. On est ouvert toute l'année. À l'intérieur du fort, c'est une température idéale, 20 degrés. Donc, idéal pendant les canicules. Et en toute saison, on se réjouit de vous y accueillir. Retrouvez tous les épisodes et toutes les infos du Montre Rivière à Gourmet Tour sur mrgt.ch.